Voulez-vous être protégé du mal? Laissez ces prières angéliques vous guider dans la vie. Comment demander une intervention céleste? Les anges veillent toujours sur nous. Ils peuvent vous protéger, vous et vos proches, de tout mal qui pourrait vous arriver. Qu'il s'agisse d'un accident, d'une maladie, ils vous protègent. Il suffit de leur demander de l'aide. Priez les anges avec cette belle carte de prière aujourd'hui, et sentez leur protection vous entourer dès que possible. C'est facile, tout ce dont vous avez besoin, c'est de croire en vous-même, et en leur pouvoir, et de demander au Seigneur. Et ne vous inquiétez pas d'être religieux, car tout le monde peut utiliser cette carte de prière, et choisir la bonne prière, quelle que soit la religion à laquelle il appartient. Les anges sont des êtres spirituels, qui nous guident et nous protègent. Ils sont là pour nous aider dans la vie, mais parfois nous avons besoin d'un peu plus d'aide de leur part. C'est là que la prière des anges entre en jeu. Cette prière est un moyen puissant d'entrer en contact avec votre ange gardien, et de lui demander de vous guider tout au long de la journée. Elle peut être utilisée comme une affirmation ou même simplement, comme un rappel quotidien de l'amour qu'ils vous portent, et de leur volonté de vous voir réussir. Vous pouvez l'utiliser chaque fois que vous sentez que vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, que ce soit avant une réunion importante au travail, ou lorsque les choses se compliquent dans votre vie. Les possibilités sont infinies. La prière est un moyen magnifique et puissant d'entrer en contact avec les anges. Mais quelle prière devriez-vous faire? Il existe de nombreuses prières différentes, mais une seule vous aidera à vous sentir plus proche des anges de Dieu. Cet article de Blue vous montrera comment faire. Les anges sont toujours à vos côtés. Ils gardent un œil sur vous, et laissent des traces de leur présence dans votre vie quotidienne. Cela ne signifie pas qu'ils interviendront toujours dans votre vie sans vous en demander la permission. Ils peuvent parfois s'abstenir de vous aider et attendre que vous reconnaissiez que vous avez besoin d'aide. Dans ce cas, vous risquez de vous obstiner, ou de vous énerver. Ne soyez pas déçus. Vos hôtes célestes ne vous ont pas abandonné. Ils sont toujours avec vous, mais ils attendent simplement que vous fassiez un effort, et demandiez leur aide. Arrêtez-vous et considérez votre propre comportement, si vous pensez que vos anges n'ont pas été particulièrement utiles récemment. Avez-vous passé du temps à rechercher activement vos anges? Leur avez-vous demandé de l'aide, ou attendez-vous qu'ils viennent à la rescousse, alors que vous n'êtes pas conscient de leur présence? Commencez à faire votre part dès maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait. Utilisez ces prières pour demander à vos anges de vous aider et de vous guider. 1. Invoquez un ange précis. Certains anges ont des spécialités. L'archange Saint-Michel par exemple protège du mal et de la tentation. Il est particulièrement utile pour ceux qui exercent des métiers dangereux. L'archange Raphaël guérit les malades et les blessés, tandis que Saint-Gabriel apporte de bonnes nouvelles dans la vie des gens. Apprenez-en davantage sur ces anges et leurs spécialités avant de prier, pour demander l'aide de votre ange gardien. Choisissez ensuite la prière qui vous sera la plus bénéfique à ce moment précis. Idée de prière, pour demander l'aide de Saint-Michel. Les anges sont toujours à vos côtés. Ils gardent un œil sur vous, et laissent des traces de leur présence dans votre vie quotidienne. Cela ne signifie pas qu'ils interviendront toujours dans votre vie sans vous en demander la permission. Ils peuvent parfois s'abstenir de vous aider et attendre que vous reconnaissiez que vous avez besoin d'aide. Dans ce cas, vous risquez de vous obstiner, ou de vous énerver. Ne soyez pas déçus. Vos hôtes célestes ne vous ont pas abandonné. Ils sont toujours avec vous, mais ils attendent simplement que vous fassiez un effort, et demandiez leur aide. Arrêtez-vous et considérez votre propre comportement, si vous pensez que vos anges n'ont pas été particulièrement utiles récemment. Avez-vous passé du temps à rechercher activement vos anges? Leur avez-vous demandé de l'aide, ou attendez-vous qu'ils viennent à la rescousse, alors que vous n'êtes pas conscient de leur présence? Commencez à faire votre part dès maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait. Utilisez ces prières pour demander à vos anges de vous aider et de vous guider. 1. Invoquez un ange précis. Certains anges ont des spécialités. L'archange Saint-Michel par exemple protège du mal et de la tentation. Il est particulièrement utile pour ceux qui exercent des métiers dangereux. L'archange Raphaël guérit les malades et les blessés, tandis que Saint-Gabriel apporte de bonnes nouvelles dans la vie des gens. Apprenez-en davantage sur ces anges et leurs spécialités avant de prier, pour demander l'aide de votre ange gardien. Choisissez ensuite la prière qui vous sera la plus bénéfique à ce moment précis. Idée de prière, pour demander l'aide de Saint-Michel. Les anges sont toujours à vos côtés. Ils gardent un œil sur vous, et laissent des traces de leur présence dans votre vie quotidienne. Cela ne signifie pas qu'ils interviendront toujours dans votre vie sans vous en demander la permission.
Ils peuvent parfois s'abstenir de vous aider et attendre que vous reconnaissiez que vous avez besoin d'aide. Dans ce cas, vous risquez de vous obstiner ou de vous énerver. Ne soyez pas déçus. Vos hôtes célestes ne vous ont pas abandonné. Ils sont toujours avec vous, mais ils attendent simplement que vous fassiez un effort et demandiez leur aide. Arrêtez-vous et considérez votre propre comportement si vous pensez que vos anges n'ont pas été particulièrement utiles récemment. Avez-vous passé du temps à rechercher activement vos anges? Leur avez-vous demandé de l'aide ou attendez-vous qu'ils viennent à la rescousse alors que vous n'êtes pas conscient de leur présence? Commencez à faire votre part dès maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. Utilisez ces prières pour demander à vos anges de vous aider et de vous guider. 1. Invoquez un ange précis. Certains anges ont des spécialités. L'archange Saint-Michel par exemple protège du mal et de la tentation. Il est particulièrement utile pour ceux qui exercent des métiers dangereux. L'archange Raphaël guérit les malades et les blessés, tandis que Saint-Gabriel apporte de bonnes nouvelles dans la vie des gens. Apprenez-en davantage sur ces anges et leurs spécialités avant de prier pour demander l'aide de votre ange gardien. Choisissez ensuite la prière qui vous sera la plus bénéfique à ce moment précis. Idée de prière pour demander l'aide de Saint-Michel.